Le bilan de l'amour est dans le pré permet aux agriculteurs de donner leur version de séquences qui ont marqué leur parcours dans l'émission. Dans la première partie diffusée lundi 13 novembre sur M6 mais déjà visible sur 6 Play Max, Olivier évoque avec Karine Le Marchand ce moment. Attention, spoiler. Changement de décor pour les agriculteurs de l'amour et dans le pré. Tous se sont réunis à l'île de Ré pour revivre cette 18e saison et se retrouver. Ce week-end est toujours le moment parfait pour consolider les liens entre les mêmes membres d'une promotion de l'émission de dating champêtre. Tous savent qu'ils sont surtout là pour retrouver Karine Le Marchand, qui les suit depuis les portraits. Ensemble, ils se rappellent ce qui a marqué cette édition. Durant l'échange avec Olivier, l'animatrice a pu comprendre ce qu'il s'était passé dans la tête du candidat lors d'une séquence marquante. Attention, la suite de cet article contient des spoilers. Je n'aime pas ça, Olivier, l'amour est dans le pré, ne gardera pas un bon souvenir de cette surprise préparée par Corinne Olivier. N'est-ce pas l'agriculteur qui aura le plus occupé les épisodes de cette 18e saison de l'amour est dans le pré? Avec l'abandon d'une prétendante avant le séjour à la ferme, cela a contrecarré ses projets. Pourtant Corinne a tout tenté pour séduire l'éleveur ovin. En vain. Pensant faire plaisir à ce mélomane, elle décide de l'emmener dans un karaoké, malheureusement c'est un échec. Tandis qu'il visionne les images avec Karine Le Marchand, il explique, « J'étais très mal à l'aise avant d'ajouter j'ai vécu ça comme un calvaire. » Un sentiment fort pour le candidat de l'émission qui a subi toute cette soirée avec ses amis et sa seule prétendante. Je me suis fermé comme une huître dès qu'elle m'a dit ça, ajoute-t-il pour donner plus d'éclaircissement sur son comportement. Amusée, la présentatrice glisse sa sieste vue. Une remarque sur laquelle il rebondit en expliquant je ne pas tricher. Julien, Olivier. Quels sont les agriculteurs présents dans la première partie du bilan de l'amour et dans le pré? Parmi les agriculteurs réunis à l'île de Ré, une poignée fait face à Karine Le Marchand lors d'entretiens récapitulatifs de leur parcours. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront Anaïs, Roméo, Olivier, Jean-Paul, David et Julien et en apprendront plus sur ce qu'ils ont ressenti à chaque étape.